RTL, 11h, 12h30, à la bonne heure. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue chers auditeurs. Vous êtes bien sûr RTL, dans le grand studio RTL pour à la bonne heure, en public et en direct, et oui. Une heure et demie d'humour et de bonne humeur avec une joyeuse bande que je vais vous présenter tout de suite. Avec nous ce matin, Isabelle Moridi-Bosque. C'est une star, Isabelle. Elle ne montre pas ses yeux. C'est pas chic, une conjonctivite. Oui, non, mais je sais. Oh, mais laissez-moi croire que vous êtes une star, ça me fait plaisir. Ah merde, c'est tout ça. Oui, voilà. Avec nous également, on va retrouver dans un instant Daniel Moreau. Oh. Mais dans le studio, nous avons Didier Porte. Une foule d'admirateurs et d'admiratrices surtout est venue dans le grand studio RTL où il faut réserver, vous le savez, au 3210 pour venir à côté Régis Maillot. Ouais, le sous-lieutenant Patrice Carmoz est à mes côtés. Salut. Et tout à l'heure, Eric Dussard nous rejoindra pour sa chronique télé, sans oublier la belle Raphaël, tout en jaune. Bonjour Raphaël. Petit poussin. Un petit poussin qui nous accompagne tous les matins. Voilà, je vous présente notre invité, il est là. C'est une crème d'homme, rapide comme l'éclair, une sorte de bombe glacée qui a réussi à devenir le champion du monde de la pâtisserie sans prendre de la brioche, même s'il est plus 4 quarts que 3 quarts, contrairement à son homonyme rugbyman. Même s'il croque plus de tablettes qu'il ne les muscle, il tient le choc, oh là, à l'hôtel Plaza Athénée, où il est devenu un virtuose du piano de cuisine. Tout sucre, tout miel, il est surtout chocolat, et à 36 ans, il s'est imposé comme l'un des plus virtuoses de sa profession, qui s'efforce de rester en première ligne sans entrer dans la mêlée, et peut plaquer n'importe qui dans un match de millefeuilles. Mais sa passion reste le chocolat, et il entend nous faire fondre de plaisir, avec 45 recettes inédites dans un livre publié chez Plon, le chocolat qui me fait craquer. Avec nous ce matin, le célèbre chef pâtissier Christophe Michalak.